Le courage d'un homme n'est pas de se venger, mais de pardonner à ses malfaiteurs. Le Super Zibo en action! Une radio ouais, qui émet depuis un certain temps sur les ondes à travers le site de l'internet et recevable sur aussi le portant comme c'est interrompu au centre. Nous allons adresser la parole à M. Deye afin qu'il se présente et parle de la radio qui vient de créer. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je dirais que vous êtes Deye Roger, basé à Paris. Vous avez créé une radio, web radio, avec un peu de compétences. Selon moi, quand on parle de web, voilà. Vous pouvez approfondir un peu. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ok, merci. Donc, la web radio a été créée en août 2011 par mon jeune frère Kyulia Severin et ses camarades. Et moi, c'est seulement une année et demie plus tard que j'ai pu découvrir la radio. Que je les ai rejoints. Et Kyulia Severin, le directeur, moi, je suis le directeur de programme. Severin, le directeur général, c'est le directeur de programme. Nandemi, qui est notre. Comment on appelle ça? Ceux qui parrainent. Voilà. Donc, il y a lui et puis Adas Defido, qui joue le rôle de radio. Nous sommes tous des animateurs. Voilà. Donc, cette radio a été créée au lendemain des événements. Tout le monde connaît en 2011, en avril. Donc, la radio a été créée sur le fait que les gens avaient organisé un jeu de vraiment compliqué. Ouais. Il fallait faire quelque chose pour la survie de notre peuple. Comme vous le connaissez, dans notre peuple, quand la guerre te trouve, ton arme, c'est ce que tu as trouvé dans la main. Donc, nous, ça nous a trouvé une vie à jongler comme ça, sur le fait de radio. Pour enseigner le web aux enfants de web, en plus au monde web, pour que le monde entier parle. Comme ça, c'est qu'on vous fait disparaître la langue web, ou selon que le monde entier veut faire disparaître la langue de web, pour votre monde. Donc, c'est une de notre façon de lutter. En même temps, on enseigne le web. On enseigne aussi tout ce qui est web, c'est la chanson, on fait passer la chanson web, la chanson traditionnelle web, dans tous ses composants, avec aussi les masques, les danseuses, et la chanson moderne web, c'est sur laquelle il a été mis la musique moderne. Donc voilà en gros le travail que nous faisons. Nous le faisons, nous diffusons 24 heures sur 24. Les animateurs sont basés en France, la radio n'est pas de ici. Comme c'est une radio de lutte, on est quelque part. C'est une radio de lutte, elle est quelque part, oui, oui, je vous remercie. Donc, l'objectif principal est de préserver un peu les racines ouais, et d'enseigner cette langue afin que les enfants des enfants la connaissent mieux, ouais. Au-delà d'autres peuples la connaissent et que la politique d'estabiliser, d'éradiquer le web soit à l'échec. Voilà, donc c'est seulement pas seulement la langue, mais il y a la culture, toute la culture web. Et qu'on enseigne aussi, par exemple l'histoire de la circonscription de la décision en vie, quel est leur rôle. Ce n'est pas ça pour faire du mal aux gens, aux femmes, aux garçons. Il y a un rôle aussi, c'est l'éducation, c'est l'école chez nous. Quand il n'y avait pas encore l'école de blanc, sans l'école, sans lieu de formation, on forme la femme ouais, on forme l'homme ouais à être mari, à être femme, à être chef de famille, à être chef de village, tout ça, ça fait une nouvelle forme à période de circoncision. Vos frères de l'Opé n'ont rien compris, ils sont en train de taper sur la population, c'est pas ça qu'on veut pas. Donc voilà des choses qu'on a qu'on relève. Deuxième élément qu'on relève encore, c'est la rencontre entre la culture ouais, et la foi chrétienne. Moi, je suis pasteur de formation, j'essaie
expliquent comment ça passe. Sur les 10 commandements de Dieu, le « ouais » en fait, c'est ça, « 8 », c'est-à-dire les 8 commandements, 10 8 commandements, sur 10 commandements de Dieu sont déjà dans la culture « ouais ». Les deux choses que le « ouais » ne savait pas, c'est que Dieu est Dieu, donc c'est la façon dont il fallait rencontrer Dieu. Et c'est pourquoi nous cherchons à travers les montagnes, les forêts, mais c'est le Dieu créateur, mais c'est le « ouais » qu'on cherche. Mais c'est la même chose que le moins qu'on n'achète pas. Il suffisait seulement que les Européens viennent dire que le Dieu que vous cherchez là, il a envoyé le même temps que c'est pour lui pour rencontrer le mal. Ça n'est pas vrai. Si le tour reste à nous, on s'en a déjà. Tu ne marcheras pas comme ça pour la vie. On a pris quoi? Quand tu vois la vie, la tour contre le mal, ça vaut deux femmes à doter. Pour une seule nuit, qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais. Et ce n'est pas un peu contre le pasteur enseigner la culture, parler des masques, qu'est-ce que justement, c'est le défi que vous relevez. Parce que les Européens, le problème qu'on a eu avec les Européens, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas arrivés simplement. Parce que quand on étudie l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils sont les Européens, ils sont allés chercher les missionnaires pour venir acculturer l'Afrique. Et quand ils sont venus les chercher, il y a eu deux ans, il y en a qui ont dit non, on ne peut pas aller passer. Non, on ne va pas. Il y en a qui ont dit non, on va aller. Si on ne rentre pas, on va expliquer comme le colon nous demande, et puis après, on va créer des écoles, mettre des Africains à l'école, quand ils vont même savoir lire et écrire la Bible, ils vont savoir lire et écrire, ils vont lire la Bible pour connaître la vérité. Justement, c'est ce que moi je fais, je ne fais pas du tout, je fais la théologie. Donc maintenant, je connais la vérité. Donc c'est cette vérité que je fais à l'église. Les masques, les bruits, les grailles, tout le reste, ce sont des structures qui ont été mises en place chez nous, avec une seule structure. Leur objectif, ce n'est pas de tuer les gens. Si l'objectif de masse était de plus haut qu'à tuer les gens, la guerre est arrivée là, elle n'a pas à nous décider. Parce que eux, c'est leur force pour tuer les gens. C'est pas ça. Les médicaments qu'ils ont pris à gauche, comme ils ont eu un pouvoir pour faire peur aux gens, donc ils ont dû avoir recours au gros de sorcellerie. Au pire, c'est le diable qui vient présent. On n'a pas parlé de gens. C'est ça, ils ont eu recours pour avoir la force pour que les gens les craignent. Donc, ils ont dit qu'il faut jeter tout ça. Maintenant, nous devons maintenant. De faire la part des choses. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et entre les deux, quelles sont les choses qui sont réellement en opposition du pas d'avec? C'est là qu'il y a opposition du pas d'avec Dieu. C'est là où on dit, bon, à partir de là, voilà la conduite du chrétien, voilà la conduite. On ne doit pas prendre toute la conduite, voyez la justice de Dieu. Donc, cela nous amène quand même sur un autre sujet. Oui. Celui de la chrétienté. Oui. Selon vous, alors, il y a des éléments de la culture du ouest, de traditionnel qu'il faut prendre et composer avec le monsieur. C'est même pas les éléments, c'est la poitrine de traduction des éléments ouest. Regardez par exemple, quand la tradition est basée sur le fétichisme, c'est les gens qui ont fait baser sur la tradition et la tradition. Le fétichisme vient s'ajouter dessus. C'est ce que j'essaie en fait de changer. La tradition dans un village, il y a un chef qui fait du fétichisme. Ah, chez les blancs, il y a des policiers. Le blanc, il est là pour qu'on ne fasse pas caca ici. On ne vit pas la nuit. Donc, c'était une organisation du village qui est là. Maintenant, pour que les gens aient peur des gens, des chefs, c'est quand ils sont allés chercher du fétichisme. Oui, mais la parole de Dieu dit oui. Dieu adorera Dieu et seul. Oui. Justement. Mais dans la tradition, dans cette tradition, il y a adoration d'autres. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que sur les 10 commandements, j'avais dit qu'il y a 8 qui ne pouvaient accomplir. Mais c'est les deux qui la comprennent pas. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut adorer Dieu tout seul. Alors que nos parents adorent les phénomènes. C'est la différence. Ok? Voilà. Mais j'explique que si nos parents adorent les fétiches, pas parce qu'ils ont renoncé à Dieu, ils avaient renié Dieu, c'est parce que c'est le fétiche qui était présent quand ils cherchaient à rencontrer Dieu. Parce que le mot religion, ça veut dire relier. C'est-à-dire l'homme dans son être sait qu'il y a un être qui est supérieur à lui, mais avec qui il avait des relations, et puis un temps est venu, il ne le voit plus, il n'a plus de relations. Donc il cherche à rétablir les relations entre lui et cet être suprême. C'est ça le mot religion. Donc, c'est Dieu qui cherchait.
Mais je le cherchais confusément, il n'y avait pas d'éléments concrets pour le remporter. Donc c'est ce qui nous fait de ça qu'il y avait. C'est ça le problème. Maintenant, la foi chrétienne, c'est quoi? La foi chrétienne, c'est pas une religion. C'est le plan qui a transformé la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne, c'est Dieu qui laisse arriver l'homme. Donc c'est pas une religion. La vie, c'est quand l'homme cherche la vie. Mais quand Dieu est venu chercher l'homme, c'est pas une religion, c'est une façon de vivre. Dieu vient dire à l'homme, voilà la véritable façon de vivre, que j'avais de moi par avant, quand je vous avais oublié, c'est ça que je suis venu vous rappeler. C'est ça. Avant de tourner à la radio, ouais, je veux savoir quelle église vous êtes passé. L'église de Magérie, qui est c'est en Côte d'Ivoire, je suis venu la République. Union des églises évangéliques, services de Dieu. Les services, c'est les associations qu'on fait dans les églises, associations de femmes, associations d'hommes, tout ça. Et puis, les œuvres, c'est les écoles, parce qu'on a un collège protestant de la loi, hein. On a les écoles primaires, puis le monde de l'école, c'est l'école sociale. Alors, nous allons parler des programmes. Votre programme précis de la radio. Ouais. Voilà. Donc, nous avons. De lundi au vendredi, non, de lundi matin, on va aller de lundi à dimanche, mais de lundi à vendredi, on a fait le web tous les jours, de 7h à 8h. C'est la heure française, voilà, de 7h à 8h, de midi à 13h et de 19h à 20h. Ça, c'est le programme d'enseignement de la langue ouest. Maintenant, le soir, de 20h à 21h30, le lundi soir, le doyen Nandini, qui est celui qui s'occupe de la chanson traditionnelle ouest. Le bien, le panier, le pied, le gras, le tout ce qui est chanson traditionnelle, ouais, il n'y a pas de musique dans ça. Lui, sa spécialité, c'est ça. Donc, il fait ça de lundi, il fait ça de mardi, et il fait ça de vendredi. Maintenant, le mercredi, c'est notre soeur d'âge de philo qui s'occupe des ouais, musiciens. Donc, avec leurs producteurs, leurs managers, eux viennent, ils font des interviews et puis ils présentent des jeunes chanteurs, ouais, des anciens chanteurs. Ouais. Voilà, ça c'est elle fait le mercredi, soit de 20h à ce matin, plus tard la nuit. Et elle fait ça le mercredi et puis le samedi. Le samedi, de 16h à 18h, là c'est ouais, ils ont pas là elle s'entretient avec les femmes, ouais. Et puis le dimanche soir, elle continue avec. La même émission qu'elle fait les mercredis. Maintenant, entre les deux, nous passons la musique web en 24 heures. Okay. L'enseignement de la langue web, là, c'est Vladimir Boudou, c'est moi-même. Quand il s'agit d'enseigner, là, c'est Vladimir Boudou, et là, le nom de mon papa. Maintenant, j'ai oublié. Le dimanche, de 6h à 7h30, il y a un culte en web. On presse en ouais. Les chansons sont les chansons traditionnelles ouais, chrétiennes. Et puis je lis la Bible en ouais et je presse en ouais. Tous les dimanches, de 6h à 7h30. Et puis le soir, je repasse le culte. Comme 6h30, ça fait un peu tôt dans d'autres pays. On appelle le soir de 19h à 20h. Je repasse le culte, puis je fais le résumé du culte que j'ai fait. Et puis de 20h à 21h30, c'est un concert. Un dimanche sur deux, je joue seulement les chansons traditionnelles chrétiennes. Ouais. Et puis l'autre dimanche, je mélange avec les chansons chrétiennes en français, les chansons chrétiennes en web, mais avec musique. Donc voilà un peu de s'appuyer de notre programme. Okay, mais en semaine aussi, on peut souvent jouer un peu de musique chrétienne mélangée par tout ça. Voilà. Un programme bien enrichant. Je voudrais savoir vos objectifs. Comment vous comptez développer cela, étendre disons, la connaissance de cette radio à un grand public, de sorte que vous avez beaucoup de personnes qui apprennent le web et que votre public soit appelé. Quel est votre programme? Bon, à ce niveau-là, nous sommes en. Finalement, on ouvre la porte à toutes les associations web de venir présenter leur programme, qu'est-ce qu'ils font. Et quand souvent les associations sont là, mais en même temps, les adhérents sont en même temps au courant que les gens savent parler à la radio web. Donc, ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est que nous appartenons, on s'est abonné à un grand groupe qui a plus de
plus d'Américains. Il y a plus de 200 radios qu'on appelle Radio Nouveau-Guinée. Nous sommes là et c'est ce qui nous permet d'être dans l'application. Nous sommes dans l'application. Non, on est au niveau de la technologie, on est à la pointe là. On est dans l'application. Nous avons, il y a une application dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'application Radio Nouveau-Guinée. Et ils ont créé l'application Web Radio. Donc quand vous rentrez dans Radio Nouveau-Guinée, vous allez dans l'application Web Radio et vous avez la Web Radio. Donc nous sommes sur les tops, nous sommes sur les portables, nous sommes sur tous les portables qui sont Android, les tablettes, l'iPad, l'iPhone, tout ça, on est dessus. Et quand on parle de Radio Nouveau-Guinée, ben, quand les gens ouvrent Radio Nouveau-Guinée, on est dedans. Donc, je vous remercie, notre interview pour dire à sa fin. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Bien, je voudrais lancer un premier appel à tous les web. C'est de faire connaître la radio les uns auprès des autres. Parce que chez nous, la traduction étant orale, c'est de bouche à oreille qui fonctionne mieux que toutes les publicités qu'on peut faire. Mon frère a vu, il a écouté, il dit ah, il demande à l'autre s'il connaît, hop, et de bouche à oreille, et cela se passe. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une radio, la première, il y a une naissance dans votre famille, vous le faites, vous appelez votre radio, on a eu du temps pour faire ce que il y a quelques enfants qui ont eu l'heure de gamin, vous voulez faire la fête, c'est gratuit. Il y a un dessin en famille, vous voulez informer le monde entier, c'est gratuit. Il y a en fait tout ce qui est fait, ce qui est de simple, de famille, voilà, vous nous informez, ça c'est gratuit. Maintenant, quand mon frère qui font de la musique, qui organise des grands balles et autres, bon, comme vous connaissez le club, ouais, le sac ne reste pas du tout quand il est vide. Voilà, donc si vous faites une activité qui peut régénérer un peu de quelque chose, ben, venez, et puis pensez à nous. C'est très bien. Et là, dans ce cas, oui. Par exemple, si vous avez fait un flyer, oui. On le met sur le site de Web Radio pendant 2 mois. Oh. Donc le flyer pendant 2 mois, et pendant les 2 mois, vous pouvez passer 1, 2, 3 fois vous-même pour expliquer votre activité. Et puis, nous aussi, quand on fait les émissions, on dit aux gens, ben, il y a tel qui fait telle chose, n'oubliez pas d'y aller, regarder vos agendas. Voilà, donc quand on fait le maximum, maintenant, les simples associations, les associations, quand elles viennent aussi séparer, quand vous voulez parler de votre association, on ne demande pas grand-chose, on demande à chacun de vous donner ce qu'il veut. Voilà, les associations, vous voulez parler de votre association, de ce qu'elle veut faire, ben vous venez nous voir, et puis on vous donne un temps d'antenne, 1, 2 ou 3 temps d'antenne, vous voulez parler de votre association, de votre activité. Voilà, comme ça, là, tellement il y a un peu de la télé. Avant de partir, par exemple, je vous remercie. Alors, mais une chose, celui qui se trouve par exemple à Bangolo, qui veut intervenir dans votre radio, lui, il ne peut pas prendre l'avion pour être aujourd'hui à Paris. Très bon. Nous sommes aujourd'hui à Paris. Vous dites que celui qui veut, il vient nous voir et nous faisons passer son annonce. Alors, celui là de Bangolo, celui de Tébissou, celui de Kigo, ils n'ont pas cette occasion. C'est très bonne question. Autant aussi dans les autres pays comme les pays européens. Il y a deux voies possibles. Si vous avez l'internet, vous pouvez demander à être ami à Web Radio. Que notre pseudo, c'est Web Radio Connexion. Donc vous écrivez ça dans votre Skype. Par Facebook. Non, la Skype. Voilà, on est sur Skype. On nous joue par Skype. Donc vous écrivez ça Web Radio Connexion par Skype et vous envoyez la demande. Dès que tu vois, je clique OK. Et à partir de là, vous pouvez nous appeler de votre Skype directement sur la Web Radio. Donc, quel que soit le lieu où se trouve la personne, voilà. Peut facilement vous faire passer son annonce à Web Radio, intervenir selon le temps qui a été préparé pour vous parler. Voilà, donc on vous donne tout le temps, on vous interroge. Quand vous parlez, depuis chez vous là-bas, ça sort directement sur la radio, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on discute en direct par Skype. Maintenant, ceux qui n'ont pas de Skype, ben, vous appelez le numéro. Je vous donne mon numéro. Votre contact, vous le dites. Voilà. 06 86 47
50 36, ça c'est pour ceux qui sont en France. 06 86 47 50 36, ça c'est pour ceux qui sont en France. Mais là ceux qui sont à l'étranger c'est plus 33 6 86 47 50 36. C'est le même numéro en mettant le prestige de la France. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il faut savoir que à chaque animateur a un numéro. Parce qu'on bouge beaucoup. Mais si vous me contactez déjà, l'animateur qui est chargé de vous recevoir, si vous êtes par exemple dans le domaine de la musique, donc si vous m'appelez, moi j'appelle Daz des Philo, je vous donne votre numéro, puis elle vous appelle. Et puis maintenant, vous prenez rendez-vous avec elle pour lancer. Si vous êtes une association, c'est elle. Si vous avez perdu quelqu'un ou vous avez une fête, là c'est de gagner un adhésion. Et là, quand vous m'appelez, moi, je l'appelle, je vous donne le numéro, je dis vous, je vous mets en contact, et puis vous faites vos communautés. Et quelquefois, les communautés, si on demande aux gens de nous envoyer par exemple. Pour les fêtes dont j'ai parlé, simple, il n'y a rien, on ne demande pas d'aide, on n'intervient pas, personne n'est contre ce qui est bien. Si quelqu'un nous dit, ah les frères, vous tenez un peu pour faire tourner la radio, on prend, mais on ne demande rien. Mais ceux-là, vous ne pouvez pas être ou faites le SMS même sur ouais, Radio Connexion, là sur notre Skype, et dès qu'on a le SMS, on a réussi de communiquer. Je rappelle aux spectateurs que nous sommes, je suis avec M. Roger Dehé, qui est le créateur de Ouai Radio. Il est basé à Paris, nous sommes aujourd'hui à Paris, c'est le samedi 22 mars 2014. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi de vous parler. Je voudrais vous remercier vraiment de ce temps que vous m'avez accordé. Merci beaucoup et je souhaite vraiment un bel avenir à votre projet de vraiment de sensibiliser, d'étendre. Ouais, à tout le monde. Voilà, merci. Moi aussi, je vous dis merci. Je voudrais apporter des précisions. C'est que, je le répète juste, c'est le créateur, c'est le frère Gildia Cédric avec ses camarades. C'est comme ça qu'on dit tout. Que je salue d'ailleurs. Voilà, c'est sur l'internet que je le connais. Voilà. Nandini aussi, c'est sur l'internet que voilà. Je le connais. Et il a commencé avec le doyen Nandini. Et moi, je suis venu le trouver une année et demie plus tard. Et donc, voilà, et puis moi et Daz des Philo, on est arrivé à peu près, c'est eux les créateurs, nous nous sommes les animateurs. Moi je suis chargé du programme, le président de l'Université de Blue Mogo, Nadini, Blue Mogo, Bouni, et na Blue Mogo. Blue Mobo, 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 Blue Mobo,